Je pense que la, la, la crise écologique qui euh, qui nous traverse et que nous traversons euh, nous pose face à l'évidence sur plusieurs plans que on participe tous et toutes d'une seule et même vie et que c'est ça la, la chose la plus difficile à comprendre c'est que tous les individus euh, humains mais aussi toutes les espèces qui sont sur cette euh, terre vivent une même et seule vie et se transmettre les unes les autres, les uns les autres, cette même vie. Chacun de nous a fait l'expérience par la naissance, parce que la naissance, c'est l'expérience de s'approprier d'une vie qui a déjà vécu, qui est la vie de notre mère et de la vie de notre père, et, la, et, et lui permettre une deuxième fois, une deuxième tentative, une deuxième forme de vie. Chaque individu, au fond, vit une vie qui est beaucoup plus ancienne que son corps. Au fond, la vie qui, qui coule dans mes veines est une vie qui est qui était déjà là lorsque mes parents étaient là, qui était déjà là lorsque mes grands-parents étaient là. Donc, c'est une vie très très ancienne, à la fois très ancienne et très nouvelle, et, et qui une vie qui m' relie euh, pas juste euh, par euh, analogie ou par euh, similitude à celle, à, aux autres hommes, c'est exactement la même vie. Alors, ce même, cette même continuité, on peut la, au fond, la, en faire à expérience euh, avec toutes les espèces, parce que au fond ce que la doctrine de l'évolution nous a montré, c'est qu'il n'y a pas de rupture de, de, de continuité entre une espèce et l'autre. Toute espèce est le prolongement d'une vie qui a eu une autre forme, mais qui a juste modifié son apparence extérieure, son, 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 dit, son, son équipement génétique et anatomique mais sans qu'il y ait une rupture en fait. Donc toute, toute espèce se transmet une même vie. et, et, et chacun de nous au fond euh, est traversé par une vie donc, euh, qui non seulement est beaucoup plus ancienne que son, son âge, que l'âge de son corps, mais et chacun de nous est traversé par une vie qui est en elle-même biodiverse. Parce que, au fond, si on y réfléchit, il suffit de, de nous regarder euh, dans un miroir, et on verra à chaque fois des yeux, des oreilles, des cheveux, un nez, une bouche et en fait chacun de ces org des de organes en fait n'est sont pas exclusivement humains enfin, on partage la bouche, les nez, les oreilles avec des milliers d'autres espèces donc ça veut dire qu'au fond ce corps nous donne déjà l'expérience d'une vie qui est une espèce une biodiversité en elle-même que nous sommes à nous-mêmes, une espèce de zoo d'assemblage de différentes formes de vie qui, euh, qui ont pris juste euh, de manière éphémère cette forme et qui sont prêtes à changer de forme d'ici quelques millions d'années, peut-être. C'est parce que c'est seulement à partir de cette expérience, c'est à partir de cette euh, évidence qu'on peut bâtir une nouvelle. Euh, Éthique, une nouvelle morale écologique, une morale qui, se, qui, qui, qui nous amène à respecter les autres vivants, car les autres sont des autres, mais c'est nous-mêmes sous une autre forme en fait. Il y a plusieurs obstacles qui nous empêchent peut-être de voir et de contempler quotidiennement cette euh, communauté des vies et cette communauté sensible et pas juste abstrait ou euh, conceptuelle des vies. Il y a des obstacles qui relèvent euh, parfois de l'éducation. C'est vrai que euh, euh, dit, la connaissance du vivant n'est pas au centre de notre système éducatif, mais même euh, fond ce qui me... Euh, par exemple, pour donner un exemple euh, très concret, je suis les pères d'une fille de 5 ans et je me suis aperçu à quel point, euh, lorsqu'on lit des histoires aux enfants, les livres de, de, euh, pour l'enfant euh, font figurer les animaux euh, euh, avec de, une forme précise, euh, reconnaissable, etc. Alors que tous les règnes végétales est présents sous sa forme platonique d'une tache verte et marron. C'est l'arbre par excellence, sans qu'il y ait voilà, des noms, de formes. Donc c'est comme. Et pourquoi c'est bizarre Parce que de cette manière-là, c'est comme si notre société éduquait activement à l'ignorance du règne végétal. En fait, c'est qu'on entraîne, comment dire, on, on oblige nos enfants à ne pas se demander quel est les noms de ou pourquoi le chêne n'est pas la même chose qu'une platane, etc. Donc, il y a donc des obstacles de cette ordre-là. Mais après, il y a des obstacles qui sont beaucoup plus fortes, et beaucoup plus euh, euh, radicaux, violentes et de fait, par exemple, on pourrait se dire que les grands problèmes, c'est la manière dont on a conçu la ville. Si on y réfléchit, la ville, euh, surtout la ville moderne et contemporaine, est conçue comme un dispositif qui doit distiller des lumières du monde. Au fond, si on vous demande c'est quoi Paris, c'est quoi New York, c'est quoi... Berlin, vous répondrez, c'est la collection des femmes et des hommes qui habitent sur un sol en fait, sur lequel quelqu'un a un pouvoir. C'est-à-dire, vous ajoutez des humains à des pierres en fait, ce qui est une opération très dangereuse parce qu'en général, penser des humains et des pierres ensemble signifie penser les déserts. Et euh, euh, sur, il n'est pas juste euh, dangereux, il est illusoire de penser la ville de cette manière-là parce que on fait semblant qu'il suffirait de regrouper des humains sur une seule et même portion de, de, de pierre, de minéraux, pour que ces êtres puissent vivre alors qu'il faut évidemment les autres, les plantes, les, non, les, les animaux, non seulement pour manger, mais pour respirer, pour vivre dignement, etc. Donc euh, la, la ville, c'est au fond une espèce de théâtre qui, au fond, rejette tout ce dont on devrait s'occuper en dehors de, de sa frontière dans ce qu'on appelle forêt forêt vient la, les mots forêt vient de, du latin foris qui veut dire à l'extérieur d'eux. donc d'une certaine manière c'est comme si on avait à travers la ville divisé les mondes d'un côté dans l'espace qui nous qui nous appartient qui nous, qui nous revient la ville et dans tous 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 les restes qu'on appelle forêt qui est un peu un camp de réfugiés pour tout ce qui est non-humain. Donc cet obstacle-là, c'est un obstacle majeur parce qu'il nous empêche de voir, de, de, voir, de, de voir quotidiennement tout ce qui est non-humain, sauf des chiens, des chats, des rats, de manière illégitime, et euh, quelques arbres. Mais il nous empêche aussi de partager quotidiennement notre vie avec tout ce qui n'a pas notre forme. Et euh, il nous empêche aussi de réfléchir sur l'effet que l'espace occupé par Paris, par Milan, par Londres, par Berlin, n'est pas un espace qui naturellement relèverait ou reviendrait aux humains. C'est un espace qui a dû être, comment dire d'une certaine manière, qui a dû subir un espèce de nettoyage biologique monstrueux, une espèce de génocide de tout ce qui n'a pas de forme humaine pour rendre possible l'installation de, de, sous, sous cette forme des humains. Donc, euh, euh, cette distinction entre ville et forêt est une distinction qui doit être dépassée dans les deux sens. Il faut repenser les, les villes et y introduire le plus possible de biodiversité, mais il faut aussi se libérer peut-être de l'idée de forêt, parce que forêt est est, reste une projection d'un esprit urbain. En fait. Au fond, forêt veut dire non-ville. En fait. Donc, une fois qu'on se libère, débarrassé de la ville comme une espèce d'espace de, euh, pur et exclusivement consacré aux humains. Ce sont aussi les forêts qui doivent être répensées et il faudrait peut-être commencer à, con à concevoir euh, les, les, les villes elles-mêmes comme des forêts. Qu'est-ce que cela veut dire En fond, une, une bonne définition pas, pas biologique ou pas botanique de forêt, c'est un espace où la biodiversité explose en fait. Là, si on pense, si on, dans l'imaginaire, la forêt, c'est le lieu où il y a plein, plein d'autres vivants. Il faudrait imaginer des villes qui soient aussi des espaces d'intensification de la biodiversité, non seulement d'un point de vue euh, du nombre des espèces qui, les, qui, qui, qui sont présentes, mais aussi de l'intensité de l'évolution qu'à l'intérieur de ces espaces, une espèce peut... Subir en fait. On a, il y a eu une, des études il y a quelques temps euh, euh, sur la moustique euh, à Londres, sur l'effet que la moustique qui habite le, le, la métro de Londres, à cause de ces, cette séparation euh, artificielle qu'elle a dû subir, a subi une, une mutation génétique euh, très forte. Donc on a assisté euh, à la naissance d'une nouvelle espèce. Ce qui est génial, au fond, d'une certaine manière, mais ce qui donne peut-être une piste, encore confuse évidemment, mais sur ce que la ville pourrait devenir. Non pas un espace de ségrégation d'une espèce contre les autres, mais un espace où les espèces peuvent comment dit, expérimenter sur une échelle temporelle beaucoup plus rapide ce que, à l'extérieur de la ville, normalement a lieu sur une échelle de millions d'années. C'est-à-dire, au fond, on pourrait penser que les villes vont devenir... Euh, de, de, de lieux d'expérimentation de la nature elle-même qui, 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 qui accélère son taux d'évolution, qui accélère l'ensemble de, de, des interactions entre les espèces, etc. On, on pourrait imaginer la ville comme une espèce de ce qu'on pourrait appeler les musées de, de, la, de la nature contemporaine. Dans quel sens Parce que un des problèmes qui nous empêche aussi de, de, de nous libérer de cette opposition entre... La ville et la, la forêt, euh, l'humain et les non humain, les sauvages et les civilisés, c'est que on a une considération muséale de la nature, une considération de la nature comme quelque chose qui serait euh, étranger euh, à toute forme d'histoire, euh, d'évolution, de technique, etc. Preuve année, l'effet que à chaque fois qu'on essaie de faire entrer la ville, la, la nature en ville, on la présente comme un musée, comme quelque chose qui appartient à un passé ancestral et intouchable, etc. Or, on sait que les musées peuvent se transformer de lieux où on contemple les passés, des espaces où les musées deviennent de des contemplations et des divinations du futur. En fait, on va dans une expo d'art contemporain, non pas pour savoir ce qui s'est passé avant hier, mais pour arriver à deviner ce qui va se passer après-demain. Et on pourrait imaginer que les villes, à cause de cette intensité biologique qui ne forcément se représente, sont voilà, les, les, les pendants pour la nature des musées, des musées de l'art contemporain, donc des musées de la, nature, de la nature contemporaine, des espaces où les espèces se rencontrent et, se, et rentrent chacune dans les corps de l'autre de manière tellement intense qu'il voilà, y a une accélération d'histoire, mais d'histoire naturelle et d'histoire co des coévolutions, d'histoire partagée entre les espèces. En fait. Il y a peut-être un problème culturel culturel majeur qui relève du fait que on a pendant très très longtemps euh, euh, considéré que la vérité peut s'exprimer sous une forme exclusivement euh, Verbales et donc conceptuelles, abstraites, etc. Et on a considéré qu'on peut manier des images, de la pierre, du, je sais pas, de films, mais qu'au fond, si on veut dire quelque chose de sérieux, de vrai, etc., il faut mettre des mots sur du papier. C'est pour ça qu'un universitaire n'est pas censé faire des films, des œuvres d'art, etc. Il faut qu'il y écrit des articles ou des livres. Alors, c'est un erreur et c'est une étrange idée de... Comment dit, comme s'il y avait une... C'est une forme de fétichisme rhétorique. Enfin, on considère que la vérité, les vrais, l'évidence puissent se manifester de manière exacte, seulement en maniant des sons ou, de, ou des gribouillis, des caractères de alphabétiques. Et cela nous a fortement, à mon avis, éloignés du caractère sensible où cela nous a conduit à, à dévaluer à tel, moins, à tel point les sensibles qui nous sommes amenés à considérer que dès qu'on manie euh, des images un mouvement ou fixe, euh, euh, dès qu'on fait euh, euh, je sais pas, des statues, euh, des, euh, de, des œuvres plastiques, euh, euh, dès qu'on sort de, du maniement des mots, on fait quelque chose qui a une valeur mais qui n'a pas une valeur de vérité, qui n'a pas une valeur scientifique, qui n'a pas une valeur. Euh, euh, solide qui, qui appartient au divertissement ou à l'entertainment ou à l'esthétique. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument euh, euh, comment on dit, à, à, à dépasser. Tout d'abord parce qu'au fond, l'illusion que les langages, c'est la seule voie à la vérité, c'est aussi quelque chose qui nous éloigne. De tous les autres euh, êtres vivants, parce que le langage est quelque chose de spécifique à l'homme. Mais c'est dire ça, c'est comme si, euh, je sais pas, les, les, les abeilles disaient, le miel c'est le seul support de la vérité, seulement à travers le miel on peut toucher et faire expérience de la vérité. C'est ridicule. C'est juste, le langage est propre à l'homme, mais ce n'est pas que par le langage qu'on peut attendre la vérité. Et c'est, à mon avis, aussi une, une des tâches, je dirais, du, du futur, de, 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 des années qui viennent, c'est de euh, se rendre compte que tout ce qui est sensible véhicule de la vérité et que, euh, de ce point de vue, l'art a, a un rôle central, beaucoup plus, peut-être, central que, euh, disons, les pratiques euh, verbales de, de, de la vérité ou langagières de la vérité, et que, et que, et que, et que donc, l'activité des artistes est, à mettre sur le même plan des, des activités de euh, je sais pas des économistes des des, euh, des, des philosophes de... il y avait une, euh, une proposition très belle de original brest euh, euh, les, les célèbres euh, commissaires d'expo et qui disait qu'il faudrait mettre un artiste dans toute administration euh, euh, étatique et citoyenne c'est vrai parce que c'est bizarre qu'il y ait à la tête de Paris, il y a tout, il y a des architectes, mais il n'y a jamais des artistes. Et ça relève de ce préjugé contre, au fond, le, les sensibles. Ce qu'on appelle art, c'est-à-dire ces maniements ce sensibles du réel, n'est pas quelque chose de purement humain. Tout le monde sait qu'en 1871, Darwin publie son deuxième œuvre majeure, qui est La Descendance de l'Homme. Darwin touche euh, deux points ou euh, affirme deux choses. Tout d'abord, que l'homme descend des, des, des primates, mais surtout, une grande partie de l'œuvre est consacrée à ce qu'il appelle la sélection sexuelle. Pourquoi c'est intéressant et pourquoi ça, ça nous amène à là Parce que Darwin se rend compte que ce qu'il avait dit dans l'œuvre euh, sur l'évolution des espèces, sur l'origine des espèces, c'est-à-dire que l'évolution a lieu seulement à travers un mécanisme des sélections naturelles, c'est-à-dire un mécanisme aveugle qui n'est pas d'aliments des, des vivants, mais qui est entre guillemets la nature, ne suffit pas pour justifier plein de différences. Euh, Morphologiques et pas que morphologiques euh, à l'intérieur de, de, des vivants. Par exemple, les différences morphologiques des oiseaux, des queues des oiseaux, les, la queue de pan ou euh, plein, plein d'autres paradésites, etc. Mais même les différences morphologiques parmi les humains. Et que pour euh, justifier cette multiplicité euh, esthétique, au fond, et, 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 et morphologique de formes et, de, et, et, et des vies, euh, il, faut, il, il fallait imaginer un autre mécanisme de sélection qui est justement la sélection sexuelle. Mécanisme, ce mécanisme de sélection est un choix conscient opéré par les vivants, notamment par les femmes, et pas pour les hommes. Ce sont les femmes, dans la plupart des cas, de chaque espèce, qui opèrent un jugement. Mais qui ne porte pas sur la puissance biologique ou physique euh, ou, euh, ou sur la capacité d'adaptation, mais qui porte exclusivement sur l'apparence esthétique de du partenaire futur. Exemple parfait dans les cas du temps, on sait que c'est le mâle qui a cette queue, cette queue sublime, magnifique, et on ne peut pas, comment dire, reconduire la présence de cette queue à une capacité de, de mieux s'adapter à l'environnement c'est évident que cette queue ne permet pas autant de se mieux s'adapter on ne on peut, on peut pas non plus reconduire d'une manière ou de l'autre la présence de cette espèce ornement géant à une puissance sexuelle, une capacité d'avoir de, plus d'enfants c'est juste comme il y une forme de un étalage arbitraire de beauté de, de forme, face à celle qui doit décider de donner son propre corps au partenaire. Pourquoi c'est intéressant Parce que ça veut dire que donc euh, 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 la présence de la sélection sexuelle euh, transforme, au fond, l'évolution elle-même dans quelque chose qui est beaucoup plus proche de l'histoire de l'art que d'une histoire de la nécessité euh, biologique qui amène tous les vivants à être de plus en plus propre et apte à habiter dans un environnement spécifique. Parce que dès que la femelle fait un choix sur tel individu et pas tel autre, elle fait un pari, mais qui, qui n'amènera pas forcément à plus de puissance, à plus d'adaptation, à plus d'enfants, de, de, etc. Et, et, et qui est donc, au fond, la, la communauté des parents, par exemple, c'est une espèce d'œuvre d'art sur la longue durée, faite par... Voilà, par les femmes de cette espèce. Lorsqu'on regarde un pré-fleuri, euh, on peut y voir euh, euh, voilà, juste euh, l'expression d'une nécessité ferme et aveugle qui fait que petit à petit les, les fleurs euh, se... se... Euh, s'ouvrent et les plantes euh, sont amenées à, à s'améliorer génétiquement et biologiquement, ou bien on peut y voir, si on s'approche avec une mentalité un peu plus ouverte et, moins, et moins, au fond moins affligée par de, de, de lieux communs ou par des préjugés, on peut y voir un jeu très complexe et très bizarre entre deux espèces très différentes, parce qu'on sait bien que les plantes à fleurs euh, voilà que, euh, produisent cet étrange organe sexuel qui est la fleur et qui est un organe sexuel qui normalement à cause du fait qu'il y a de, 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 de mécanismes qui empêchent lauto oblige un tiers d'intervenir dans les processus de fécondation c'est comme si nous les humains on devions tout d'abord construire à chaque saison un nouveau un nouvel organe sexuel et après les jeter enfin comme font les plantes et surtout c'est comme si on avait un organe sexuel qui du coup impliquait un élément tiers c'est-à-dire un individu qui vient d'une autre espèce d'un autre règne pour faire du sexe c'est comme si euh, euh, moi pour avoir un rapport sexuel avec euh, un homme une femme je devais impliquer un éléphant un, un champignon euh, ou euh... donc déjà ça si on y réfléchit, ça donne une idée beaucoup, très différente et beaucoup plus sensible de ce qui se passe dans un préfleuris. C'est une véritable orgie multispécifique où il y a des gens qui font du sexe qui appartiennent à des espèces, à des espèces très, très différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi que, du coup, il faut l'intervention d'un tiers. Souvent, ce sont des insectes, mettons une abeille. L'abeille participe à, cette, à ce processus de reproduction sexuelle des fleurs, mais en ayant dans la tête quelque chose qui n'est pas de l'ordre, euh, qui n'est pas les mieux pour la plante. L'abeille en a dans la tête la jouissance esthétique, tout d'abord, parce qu'elle voit la forme, et la jouissance aussi alimentaire, parce qu'elle cherche les le sucre en fond. Donc, au fond, ces choix, les choix des abeilles face à ces processus sont des choix esthétiques. Et des choix esthétiques des abeilles dépendent les destins biologiques et génétiques de la fleur que l'abeille euh, visite et fertilise. Si on prête attention à ça, ça nous donne un, un, un cadre très différent de ce qu'on est habitué à voir. Parce qu'on voit donc euh, euh, tout d'abord une espèce qui produit un organe sexuel tellement bizarroïde qui l'oblige à mettre son destin biologique d'aliments d'une autre espèce. Donc c'est comme si, au fond, l'abeille la, a été élue par des fleurs à génétistes ou, euh, ou éleveur, éleveuse de, de, de fleurs. Mais on voit de l'autre côté aussi, comme dire, euh, l'activité des insectes qui produit un destin biologique des autres espèces, mais qui est une activité esthétique. Donc, euh, par exemple, on pourrait dire, au fond, l'évolution biologique des fleurs c'est l'équivalent d'une installation euh, esthétique artistique euh, l'équivalent d'une biennale euh, c'est pas biennale parce que c'est sur plusieurs années mais c'est du multiennale euh, millionnale, je sais pas comment l'appeler entomologique de deux de, de, abeilles face aux fleurs donc euh, c'est et ça par exemple avoir dans la tête ça lorsqu'on rentre dans lorsqu'on rentre dans une forêt ou lorsqu'on on se promène dans un pré, ça nous donnerait tout un autre, un autre rapport aux êtres. On n'est pas face à des mécanismes qui, qui, qui bouillonnent de manière plus ou moins aveugle. On est dans une pré, un confort, au fond, comme si on était dans un musée, mais fait par d'autres espèces, pour d'autres espèces. Donc voilà, voilà ce qui nous reste à faire pour commencer à changer notre attitude et nos mentalités. Au fond, euh, il, y a une, euh, il y a une très belle phrase qui appartient à une tradition euh, philosophique ancienne qui, qui remonte jusqu'à Aristote, qui a un peu traversé le, le Moyen Âge sous le nom d'avéryisme, qui disait en fait des gens qui disaient en fait on peut, ne on peut pas penser sans images, il faut des images pour penser, il faut du sensible pour penser, mais pas dans le sens que les sensibles seraient les points de départ pour penser, plutôt dans le sens que pour penser il faut vraiment manier les réels pour produire des images sensibles et que l'image sensible n'est pas une étape euh, préalable de la pensée c'est son corps euh, vif en fait son, son intensité les plus euh, euh, la, la plus puissante en fait donc euh, un tant est philosophe ou tout philosophe pas justement est censé euh, euh, au fond produire euh, du sensible parce que on imagine la philosophie comme une activité très abstraite, mais de fait, on fait, on fait des choses visibles. Les livres sont de, des œuvres d'art aniconiques, ce sont des gribouillis, mais, mais, mais des gribouillis qui, qui produisent de la vision. Au fond, au fond, euh, au fond euh, écrire, c'est l'équivalent de. Euh, euh, écrire, c'est si difficile parce que c'est au fond faire, rendre disponible à tous les membres ce que normalement des substances hallucinogènes telles l'LSD ou l'ayahuasca donnent de manière privée, afin prend prendre ces substances et on a des visions sublimes, magnifiques, quand on change de vie. Et, et faire de la philosophie signifie tout d'abord avoir ces visions, mais trouver la, la méthode et la manière de... Euh, les... les à produire les sens inverse, c'est-à-dire par, partir de visions pour produire la LST qui permettra à d'autres gens d'avoir ces mêmes visions en fait. Donc c'est une vision un peu bizarre de là, mais j'ai toujours pensé que cette, ce que je fais, c'est au moins pour moi exactement ça, c'est produire des des, des... des substances, des, des, des pages qui permettent d'avoir des visions, qui nous permettent, après, et qui me permettent tout d'abord d'avoir un accès différent au réel, qui n'échange pas, mais qui tout d'un coup apparaît pour ce qu'il est, et, et, et surtout apparaît beaucoup plus vif de ce que euh, l'on imagine. En fait. Parce que même euh, les buts de toutes ces substances, les, la, la, la ayahuasca par exemple, ce n'est pas de juste partir d'un étripe euh, euh, plus ou moins euh, euh, ridicule ou absurde, c'est saisir le réel qui est en face de nous. Comme un sujet et pas comme un objet. Donc, au fond, je dirais que la philosophie aujourd'hui, de, de plus en plus, et surtout aujourd'hui, a cette tâche-là, c'est de produire des visions ou des lunettes, des, 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 des instruments de visions, qui peuvent être différentes et variées, et, et, mais qui permettent de comprendre que ce qui nous apparaît comme un sujet, comme un objet, est un sujet. Donc, euh, en face de nous, il y a toujours des moi qui disent euh, salut. Non, en fait, la chose belle, c'est que l'écriture, c'est vraie, les vraies, l'écriture, c'est les les plus puissants qui existent, et euh, ça n'a pas de conséquences, Donc, c'est génial en fait. Donc, juste, c'est difficile, mais au euh, fond, euh, euh, produire, euh, euh, écrire, c'est euh, arriver au même effet des drogues sans en consommer. Donc, c'est génial en fait. Juste, c'est fatigant parce que c'est ça. ça au fond, c'est vraiment le processus inverse. C'est pas assumer une substance chimique pour avoir des visions. C'est, comme on dit, parcourir à l'inverse ce schéma, donc avoir une vision et trouver la substance chimique qui, dans ces cas-là, est en substance sensible des mots ou un champ. parce que bah, écrire signifie inventer un champ pour que pas juste toi, mais plein d'autres gens puissent avoir ce, cette même vision. en fait. Il y a une, une personne, une œuvre qui euh, euh, m'a inspiré, mais qui surtout euh, continue de plus en plus à m'inspirer, qui, qui s'impose à mon avis aujourd'hui comme euh, peut-être la, la personne euh, la plus intéressante euh, de, de ces années, d'un point de vue euh, théorique, et qui est euh, euh, Gilles Clément. Et justement, ce qui, ce qui m'est intéressant pour moi, c'est qu'il ouais, est non seulement un très très grand. Euh, architecte, paysagiste, euh, paysagiste tout court, ou constructeur des jardins, c'est aussi un très très grand théoricien. Euh, et c'est, à mon avis, Gilles qui a produit euh, les idées les plus intéressantes pour l'écologie du prochain si euh, siècle. Et euh, dans quel sens Au moins euh, deux sens. Tout d'abord, euh, 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 il a euh, cette idée euh, euh, incroyable et très juste. Euh, du jardin comme fondement de notre rapport et de tout rapport à la nature, même et surtout d'un point de vue écologique. Au fond, euh, les premiers pas, de, de, même dans la construction des jardins des Gilles, a été celui de dire, euh, même lorsqu'on ne fait rien, même lorsqu'on laisse euh, un friche, quelque chose, on est en train de jardiner. Ce qu'il veut dire, par exemple, qu'à chaque fois qu'on essaie de produire un parc naturel, en faisant rien du tout, on est en train de jardiner et que donc, du coup, l'écologie n'est que tirée du jardinage planétaire, en fait. donc, ça, c'est déjà un, un point très, très intéressant. ce qu'au fond, ce que l'écologie nous demande, c'est d'imaginer les jardinages, non pas comme quelque chose qui relève euh, ou qui a un enjeu exclusivement esthétique, privé, particulier, etc., c'est euh, quelque chose qui a un enjeu planétaire, en fait. Sur il faut... et que peut-être tous les êtres sont en train de se jardiner les uns les autres. Si on jardine même lorsqu'on ne fait rien, donc toute espèce jardine toute autre espèce. Donc non seulement la planète Terre est un jardin, mais est un jardin où chaque espèce est les jardiniers des autres. Donc c'est très beau, et là ça nous aide à changer de, de, de point de vue, parce que c'est différent de voir que comme on dit, si on se promène en ville, la, les platanes qui sont sur les quais, ben, du coup, ne sont pas des objets, ils ne sont pas juste les objets de notre jardinage, ils sont elles-mêmes les jardiniers euh, qui nous permettent de vivre. D'ailleurs, c'est vrai, parce que, au fond, ils insufflent de l'oxygène, ils capturent l'énergie solaire, etc. Donc ça, c'est la première idée qui est très, très intéressante. La deuxième idée, qui est très belle, de, et qui est vraiment une piste à parcourir pour l'écologie du siècle qui vient, ou non, du siècle dans lequel on est, depuis 20 ans, pas, euh, euh, je suis encore <laughs> sur, sur, les, euh, sur les changements des millénaires. Mais euh, c'est l'idée de euh, brassage planétaire, de, de, euh, de euh, jardin planétaire. Pourquoi c'est intéressant Parce que Gilles a eu une intuition très juste, en fait, euh, qui est celle d'accepter, une fois pour toutes, que tous les êtres, non seulement on voyage, euh, euh, mais amène d'autres espèces annelles à se déplacer. En fait, euh, chaque individu euh, transporte, véhicule euh, d'autres individus tous les temps. En fait, euh, d'ailleurs, euh, je veux dire même euh, si on regarde euh, une pomme, euh, une pêche, euh, les pommes, les pêches sont si bonnes parce qu'elles sont faites justement pour permettre aux animaux de les manger et ensuite de véhiculer la sémence. Euh, ailleurs par rapport au lieu occupé par l'arbre qui les a produits. Donc euh, les mouvements, la migration, les, les brassages n'est pas l'exception, c'est la condition de possibilité de la vie sur cette planète. Ça c'est un premier point, mais ce qui est intéressant c'est que euh, les conséquences que Gilles a... a, a un, un, un tir. Si tous les êtres bougent et migrent, euh, se brassent, donc ça veut dire que euh, euh, toute migration est en train de redessiner la, euh, les visages de la planète. Et, et Gilles fait toujours un, un exemple euh, 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 très curieux. Euh, si vous, il dit si vous prenez, euh, si vous allez dans les jardins des plantes de Paris, euh, vous auriez. Euh, un arbre, je ne sais pas, un pommier qui vient de Chine, vous auriez des platanes, vous auriez un bananier, etc. Donc, ces arbres sont tout d'un coup mis sur les mêmes, euh, occupent un, euh, un espace de contiguïté. Cet espace de à avoir un rapport de contiguïté n'est pas juste l'individu, est aussi les biomes que ces espèces véhiculent avec eux. Donc, à chaque fois que euh, euh, à une espèce migre, ce n'est pas juste la chair de cette espèce à migrer, c'est aussi, au fond, les continents, les biomes qui migrent, donc du coup, la circulation des de, de êtres, dit toujours Gilles, c'est comme s'ils reproduisaient la pangée originaire. On sait très bien que, voilà, on imagine que les continents étaient tous réunis au début et qui sont petit à petit éloignés, et ce que Gilles dit, c'est que la, la circulation des êtres conjoint à nouveau les êtres qui étaient euh, comme on dit, proches et qui ont été séparés par la Terre. Donc cette idée aussi est très belle parce que ça nous permet de, de, enfin de nous libérer de, cette, de, de ce fétichisme, de, même de, de l'imaginaire de la maison, de la séparation, qui est parfois même l'écologie un peu euh, exaltée, et d'accepter que vivre, c'est bouger. Et qu'à chaque fois qu'on bouge, chaque fois qu'on migre, on n'est pas en train d'envahir de un territoire occupé par d'autres, on est en train de réunir deux territoires qui étaient séparés.